Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « La place, la position, le rôle de la mosquée dans la cité ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah, il se peut que cela soit de nombre des bien guidés ». J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. La mosquée en islam a une grande importance, selon le droit le plus chéri auprès d'Allah, Seigneur de l'univers, et la maison du pieux vertueux. Allah attribue à lui à titre d'honneur et de grandeur en disant « Et certes, les mosquées n'appartiennent qu'à Allah, n'invoquez rien d'autre à part Allah. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les endroits les plus aimés des contrées auprès d'Allah sont les mosquées et la mosquée est la demeure de tout pieux. » La mosquée est une école globale dans laquelle se nourrissent les âmes par l'évocation et la récitation du noble Coran se forment les raisons sur bien fondées de la conscience bien guidée et s'élèvent les enfants sur le noble valeur et la moralité vertueuse. Immense est la rétribution du peuple de peupler les mosquées par les construire matériellement et moralement par former les âmes éclairées auprès d'Allah, gloire à lui, qui dit dans des maisons, c'est-à-dire des mosquées, qu'Allah a permis qu'il en élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'équitement de la zakat et qui redoute un jour où le cœur sera bouleversé en ce que le regard. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque va à la mosquée et en revient, Allah lui prépare une maison au paradis dans son va-et-vient. » Et chaque fois, il dit également, « Et chaque fois qu'un groupe se réunit dans l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire des mosquées, pour réciter et étudier le livre d'Allah, la sérénité l'enveloppe, la miséricorde le cerne, les anges l'entourent et Allah l'évoque. » parmi ceux auprès de lui. C'est pourquoi la pure charia exhorte à construire, maintenir et sauvegarder la mosquée. Le prophète salut et bénédiction sur lui dit « Quiconque construit une mosquée, Allah lui construira une maison dans le paradis. Ceux qui s'en chargent auront les degrés les plus élevés. » Preuve à l'appui, on est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait des nouvelles de la femme qui faisait le ménage dans sa noble mosquée et lui a fait la prière, la prière mortuaire qu'il fit à sa faveur en raison de son degré très élevé auprès du Seigneur de l'univers. Il faut bien observer les bienséances de la mosquée dans point, deux points, y aller en bonne mine, bonne vêture et bonne odeur, qui conviennent à la sacralité de cet endroit. Le priant parle à son Seigneur. La mosquée est l'endroit où se réunissent les vertueux et descendent les anges si proches d'Allah. C'est pourquoi le priant doit être dans l'état le plus beau. Allah, gloire à lui, a dit, « Ô descendant d'Adam, prenez votre bonne mine à toute mosquée. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Allah est le plus méritoire à qui il faut être en bonne mine. Il faut également aller aux mosquées avec sérénité et recueillement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous entendez l'annonce de la prière, allez à la salat en sécurité et recueillement. Les mosquées sont le lieu de tranquillité et d'apaisement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le priant parle à son Seigneur, qu'il raisonne bien ce qu'il dit, que personne d'entre vous ne hausse pas la voix de récitation contre son frère. Il est interdit de vendre ou acheter dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les mosquées sont faites pour y évoquer Allah, gloire à lui, faire la prière et réciter le Coran.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que lui salue la bénédiction d'Allah soit accordée au dernier de prophètes et messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Le message et le rôle de la mosquée sont grands dans le domaine de l'enseignement, de la culture, de la propagation, de l'authentique religion, de la gratification de fausses conceptions, de former les valeurs spirituelles de foi, propager les sublime moralité, montrer les bases des bons entretiens parmi les humains basés sur le droit, la justice, l'absence de tricherie, de cupidité, de monopole ou d'exploitation, d'éviter tous les types d'illicites et de turpitudes apparentes ou cachées. La mosquée joue un rôle communautaire qui n'est pas inférieur de son rôle spirituel de sensibilisation. C'est à travers laquelle que les gens peuvent s'entraider pour ce qui est utile pour les pays et les humains dans une ambiance de solidarité, interclémence, dissipation de malheur, soulagement, affection envers le pauvre et le misérable, renouer les liens humanitaires entre des cœurs couverts par la foi qui aspirent la grâce du Clément miséricordieux pour réaliser le sens de corps compact, le prophète sallam dit, la parabole de croyants dans leur interaffection et interclémence est celle du corps compact dont si un membre souffre, tous les autres membres le consolent par la veille et la fièvre. Il dit également, quiconque dissipe à un croyant l'un des malheurs de l'ici-bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'au-delà. Quiconque facilite à un insolvable, Allah lui facilite aussi bien dans le ciba que dans l'au-delà. Quiconque couvre, c'est-à-dire dissimule en fait, le diffus d'un croyant, Allah le couvrira aussi bien dans le ciba que dans l'au-delà. Allah est éternellement au secours du serviteur tant qu'il est au secours de son frère. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde.